Bonsoir tout le monde, du coup voilà. Finale des quiz, je mets de l'autre côté avant de cliquer sur un T9 qu'on voit le CDC. Et je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Voltalik comme pour les deux derniers streams de la quiz. Salut Volt. Comment ça va? Bonsoir à tous. Et encore merci pour l'invite. Encore des matchs de fou. Bah surtout cette finale, hein. Ça va être Alors. vraiment vraiment folle. Parce que non seulement il n'y a pas juste les règles de base de la D-Quiz, il y en a d'autres qui sont venus se rajouter, et on a fait un peu plus compliqué la semaine dernière. D'ailleurs, c'est bien, il a fait un petit message. Du coup, on a deux sorcières et deux PK max par compo autorisés, quatre golems max, donc les avalanches, ça va être un peu plus complexe. Les sorts de zap, on les a limités à 3, et les sismiques à 4, donc les attaques avec 8 sismiques, bah, il n'y en aura pas. Simplement. Ah ouais, ça va être intéressant parce que les 8 sismiques ça passait plutôt bien. Après, on n'a pas beaucoup vu en 8, souvent c'était 4 plus un sort de saut, ou alors on a vu aussi une avalanche bien maîtrisée avec seulement des sorts de saut, je crois. Ouais, Donc, ouais. Bon, on a vu un peu de tout, je crois. On a vu aussi de l'avalanche avec 8 oui, sismiques, hein, donc on a ils ont vu fait à 15, je toutes les crois. sauces. Ouais, c'est ça, de toute façon, c'est tellement fort ce compo. J'avoue. Donc, c'est cool, ça va du coup obliger un petit peu plus de créativité ce soir. Donc, on rappelle, hein, c'est un BO3 du coup. Les deux équipes qui sont là ont fait des parcours monstrueux. Toutes les deux sont qualifiées du coup dans la douleur, hein, parce qu'il y a des Elles ont matchs pour toutes la. les deux perdu au moins un match sur tout le tournoi. C'est ça. Et pour passer en finale, du coup, elles ont dû jouer. C'est qui? C'est. Qu'est-ce qui a dû jouer deux matchs? Il venait il a perdu, puis il a gagné. Fruity venait du upper, il a perdu la demi, il a du coup dû rejouer une deuxième war pour se départager et il a réussi à gagner. Et Terre Agricole, ils avaient perdu au deuxième match du upper, pardon, et il avait réussi à du coup rebattre la team deux fois d'affilée pour arriver en finale. Voilà. Donc là, normalement, vous avez toutes les infos. Allez, à tout, vous avez le parcours des teams. Hein. On est bien, on est bien. Du coup, d'ailleurs, en parlant de team, on va voir un peu la constitution parce que Terre Agricole, c'est une team de deux joueurs, donc Gauthier et Poupou. Et Fruity Earth, en fait, c'est juste Alpha qui joue. Donc beaucoup de pression sur lui, surtout que le format des wars de ce soir est plus court que les wars d'avant, puisqu'ils sont passés en 5-30 pour la finale. Donc comme c'est des hits timés, ça lui fait moins de pression, même si là du coup il va commencer en deuxième, donc ça va lui laisser un peu plus de temps pour gérer ses trois armées. Mais le timer va être très douloureux, je pense, à ce niveau-là. Ouais. Je pense que là ce soir, si on n'a pas de fail time ou alors pas de fail tout court, c'est qu'il y a un problème. Ah bah c'est juste que les mecs ils sont ultra vénères quoi, ils sont Ou déter. alors c'est juste qu'ils ont mis des bases trolls tous et que ça. Non, ça je pense pas, mais bon. Ouais, on verra bien. Du coup je rappelle qu'il y a quand même 150 euros à gagner, et c'est tout pour le vainqueur, donc la team qui perd ce soir repartira bredouille. On partira avec ses chaussettes sales. Ouais, voilà. Par contre la team qui gagnera, bah prendra tout, hein. Donc soit 75 euros du coup pour la team de 2, soit 150 pour Alpha qui est tout seul. Commence bien. Oh la vache. Si On ça, c'est paraît pas qu'il des a un concours golem cancer. CDC là ou pas? On parie quoi? Sais pas. Hein. On parie rien, j'ai pas d'argent à dépenser. Après, si t'as proposé HDV, ça va pas one? C'est la question que je me pose. Non, 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 il va pas one, il va perf, il va perf. De toute façon, il vise le perf, hein. Ah bah, il faut des perfs, hein. Si tu perfs pas, c'est chaud. Donc, Bah, t'es dans la merde, concrètement. Terre Agricole, ouais, ils sont favoris, bien sur le papier. Ouais, c'est. Bah après, c'est Alpha en face, ils jouent bien aussi. Hein. À partir du moment où c'est la finale, ouf, ouf, quoi. On peut bien HDV 12? Ouais, le Blizzard Mobile. Blizzard Mobile, c'est trop fort. Après, Et faut moi, savoir je jouer suis tout mobile avec qui. seul. Putain, les molosses, c'est quand même relou, hein. L'arène, elle est bien ralentie, hein. La reine, elle est en train encore de tuer le dernier Rocket Love, mais elle a mis 15 ans à des top le molosse là. Les géants sont là pour tank en fait, les sosos, c'est bien, ça avance bien, c'est Bah cool. en fait il a mis les gens pour compenser les golems, hein. Clairement. Ouais, mais les géants qui sont mis devant les sosos pour tanker les defs Ouais, c'est pendant ce que je dis. C'est juste que. qu'il pouvait pas prendre de golems, du coup il a pris des géants. Ouais, mais c'est plus intéressant, je trouve.
Bah, je sais pas, parce que les gens ils meurent plus vite, hein. Et du coup, regarde, il a Ouais, mais déjà t'aurais perdu plus. tous ses sorciers, ils ont pas pris. Oh, puis en plus, à cause de la tour de sorcier qui tapait le géant, il est mort. Oh. Ouais, mais oh, le Soso, il s'est fait défoncer. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que l'avantage d'avoir autant de géants, c'est que du coup, ça permet d'avoir plus d'intérêt, enfin plus de d'utilité, on va dire, d'utiliser les sorciers derrière, puisque du coup, t'as plus d'espace pour les poser, quoi. Ouais, c'est pas faux. Mais d'ailleurs, c'est en train de fail son truc là. Ouais, je te dis, ça va, one. Non, non, Moudino. non, il devrait réussir. Ah, quoique, il a plus de. S'il a des sorciers, si ça tank bien, il devrait pouvoir prendre l'HDV, la reine devrait pouvoir rester en vie. Ouais, Le non, perf c'est me bon, paraît c'est bon, ça va. compliqué, mais il devrait avoir le bill. Oh, attends, il y a... Ouais, avec 1 minute 4. Ouais, je Après, dis, il y a le quoi? perf paraît compliqué, j'ai pas dit qu'il était impossible, mais juste compliqué. Ah, par contre, la Ah, reine, je... elle va taper le. Oh, ça va casser le bon mur en vrai. Oh, c'est bien ça. Si ça prend Oh, pas de la bombe reine, là. géante, c'est bon, hein. Ouais, ça peut être bien, cette histoire, hein. Le golem, de toute façon, qui va déminer avec le géant, là, devant. Oh, le sorcier qui a pris le canon. Pff, bon Oh, bah en fait rien dit, ça va il y a perf ce moyen, truc non, hein. ça perf, hein. Oh, la vache. Il a eu un peu de chance quand même hein. Ouais, c'est clair, mais Heureusement que ses là, troupes il est ont en tapé prudence. le bon mur parce que sinon je pense qu'il était Non, un bah peu dans là, la là, moulure. si. Là, si ça cassait pas le mur du coin, là, c'était pas la même, hein. Ouais, clairement. Un peu lucky hein, mais en même temps bon. Attention, ce sont les golems qui vont terminer les bâtiments. Après la strat elle est quand même bien, mais ouais tu vois quand même que quand t'as pas les golems c'est un peu différent, c'est pas la même. Ah bah, en tout cas, il a joué le perf, il a cherché un perf, full maîtrise en plus. Ouais, enfin, à mon avis, il y a eu de la maîtrise, il y a eu beaucoup de serrage de fesses aussi, hein, Ouais, quand il a vu... Quand je il a pense vu qu'il a serré un peu les question, fesses, mourir. mais ça va, il avait gardé des géants, il avait gardé ses squelettes surtout. Ouh, Valkyrie, deux Witch, deux PK. Ouais. Oh là, regarde-moi les petites Tesla là d'entrée, bim. Ouh, alors par contre, cette base, on l'a pas encore vue. Non, parce que justement la team de Terre Agricole voulait jouer parce que je leur avais proposé du coup de jouer lundi ou jeudi et ils préféraient jeudi le temps d'avoir de le temps de pouvoir préparer des bases. Eh ben, c'est très bien parce que du coup ils ont bien préparé cette finale, contrairement à notre ami Alpha qui a rien préparé du tout. Lui, il a remis les mêmes bases, il a pris les mêmes et on recommence. On va Ah voir ce que ça écoute, donne. hein, on va voir si ceux qui ont taf leur base vont être devant ou pas. Ouais, c'est ça, hein. En tout cas, c'est sympa, j'aime bien le design. Parce que elles sont chiantes ces bases, hein. Vraiment, elles sont chiantes. En compart 9 là. Bah ouais, je suppose, puis avec les restrictions en plus, ils ont dû adapter un peu Ouais, leur base. je pense que ça a bien joué, mais. Regarde-moi ce Oh, les bon cochons. poison là qui va prendre les pop et la reine ennemie au calme. Ouais. Par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est les hogs là qui ont tous sauté quasiment. Ouais, bah il a bien posé ses trappes. Hein. Oh, la bombe géante, non, c'est bon, il y a le sort de soin, ça devrait aller au centre. Ouais, ça a été bien trap. Par contre, il reste 4 cochons quand même en main. Il y a moyen d'aller. Oh, il va Oh, chercher le ça va les perf. perdre, ça va y aller, ouais. Il reste trop de cochons là, il reste encore un soin, donc y a pas de raison que Ouais, ça là, perf pas. c'est ça, là, il y a trop de cochons. Même une double bombe géante, elle fera rien. Surtout que la double bombe, elle a pété avec un golem au niveau de l'arc X. Donc, Oh, OP. bon. Maintenant, il OP, n'y a plus OP. rien. Plus rapide le hit, non? J'ai pas fait gaffe au timer, tiens. Ouais, plus rapide. En tout cas, pour l'instant, il est plus rapide à voir quand ça aura perf. Ouais, après il a c'est bien il a gardé les petits cochons pour le clean du coup. Ouais, mais il reste quand même un gros bâtiment point de vie au milieu là. Hein. La réserve d'élixir. Ouais, mais la reine va aller le chercher tranquille. Hein. Ouais, les sorcières qui ont bien ouvert le compart. La reine, elle va mettre son cerveau de côté. Elle n'a pas besoin de réfléchir. Les sorcières ont tout fait pour elle. Ouais, je regarde le timer parce que du coup j'ai pas le bot sur ce tournoi. De toute façon, il faut qu'on regarde le timer après deux attaques à chaque fois pour avoir une idée un petit peu de comment ils doivent gérer après. Bon, Eh je sais bien pas si t'as voilà. remarqué, ça fait 2 fois qu'il y a un poison qui est pas déposé. Bon. Tiens, AQH Lalo, strat plus basique. Ah bah ça c'est notre ami X-Ben, hein. Gucci. Cette base on l'a pas déjà vue? Oh, si, possible. Je crois, hein. Possible, possible. En tout cas, il devrait rentrer du coup. Et il va pouvoir prendre le roi avec sa reine, mais ça sert pas à grand chose sur un AQH Lalo. The Alors way. il veut faire redescendre sa reine. Hein. Ouais. Ça va C'est pour ça qu'il redescendre, va ça pas aller devrait. chercher la... Je suppose il devrait la faire open du coup au niveau. Ouais, voilà, il devrait open au niveau de la tour d'archer. Sa reine rentre. Ouais, peut-être, et surtout pour sortir l'HDV, il envoie les sapeurs pour ouvrir
Aussi, comme Par ça contre, là, sort j'ai le eu peur. CDC. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai eu peur à un moment que le CDC se split et qu'il y ait une partie qui parte sur le roi, mais pas du tout. Et du coup, le roi qui a géré la reine ennemie, ça, c'est bien. Le roi qui a géré la reine, qui va prendre l'HDV, je pense, parce qu'avec le nombre de barbares qui sont avec lui, à mon avis, Le barbare, il l'HDV. tape la réserve. Mais Ouais, ouais, mais c'est du coup. bon. L'HDV est sécurisé, il a le bill assuré. Et deux gros bâtiments à fort point de vie qui sont tombés, la réserve d'Exianor et LTH. Hein, c'est Gauthier, d'accord, ok, d'accord. Il va faire en sorte que la reine sera moins ralentie, vu que les bâtiments à points de vie seront tombés. Il reste encore deux sapeurs, donc normalement avec le sort de rage, il devrait pouvoir open au niveau de la réserve, aller chercher les Arc-X, peut-être, s'il envoie les sapeurs. Oui, non. Non. En tout cas, envoie le mobile pour que le souffleur change de direction et qu'il arrête d'embêter la reine. Bah, de toute façon, la reine, elle est On a. sortie, hein. En fait, il veut pas ouvrir pour l'instant pour que la gargouille elle prenne les tours d'archer, tu vois. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, tant mieux si la gargouille a pris le tour d'archer, OP. Ah, Voilà, ça serait ouais, bien. il a posé les ballons là, il y a des Tesla qui sont sortis, ça est en train de tuer son clean. Ouais, du coup, il est obligé de poser les ballons. Bon, en tout cas, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Malgré tout. Bon, il va perf, hein. Ça, c'est perf, hein. Il n'y a même pas de débat, c'est plié, hein. Dernier sort de speed, ça va lui permettre d'accéder rapidement à la tour d'archer, à la tour de sorcier, les ballons vont clean en plus de ce côté-là. Oh, c'est tellement propre. Ouais, C'est rien beau, à hein. dire. Hein. C'est très très beau ce à quoi on assiste là. OP, du coup, il ne reste plus qu'une attaque chez Terre Agricole. On va peut-être avoir un œuf, on s'est peut-être un peu avancé au début en disant qu'il ne devrait pas y en avoir. Bah écoute, ouais, je crois que là ils nous ont dit. Merci Volt, je suis en PLS. Mais non, la vengeance, oh la méchante! Pour la peine, Sve, tu vas devoir être gentil et venir sur Discord. Le mec, c'est qu'il est vraiment tout plombé. Genre. Oh Bon, non, par je suis contre, en regarde l'entrée pour toi PLS. et en attendant, notre ami Alpha là qui nous fait un bon clean. En espérant que les guérisseuses ne partent pas sur le roi, parce que ça en serait capable. Reste sur la reine pour l'instant. Non, Ok. c'est bon, le roi il est mort, donc ça switchera plus. C'est rien, bien sûr. Toujours un plaisir d'avoir des abonnements, c'est Ah, cool. mais je te raconterai pourquoi il dit que c'est rien. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu lui as fait encore? Moi, rien. Rien, mais enfin, je te le dirai après. Ouais, vas-y. En tout cas, c'est des bébés Drake Dragon, ça sert à rien, mais pourquoi pas. Quoique, en vrai, Bah, si c'est pas. ça fait des dégâts. Si, en vrai, c'est bien, c'est contre les Lalo, les fuites Lalo. Ouais, quand il y a l'eau, c'est pas mal, ouais. Quand il se split, c'est vraiment fort. Ouais, par contre, comment il va chercher la reine là? Parce que j'ai l'impression que les ballons vont. Ah, quoique, non. Avec sa reine à lui. Ouais, non, c'est bon. Je pensais que les ballons allaient arriver avant, mais non, non, c'est bon. La range de la reine est plus grande que ce que je pensais. Par contre, il a fait attention à sa reine. Ah, il a pas fait gaffe à sa reine. Trop concentré sur l'alo, il a failli perdre sa reine. Ouais, mais Les ça va, ça gargouilles sont passe. Par contre, envoyées. il a pas de mollusque à pop, hein. Il a aucun. Et c'est pour ça qu'il est tellement large que. Ouais, mais du coup, c'est problématique au niveau du timer quand t'as les mollusques qui pètent pas, parce que ça fait moins de clean. Est-ce qu'on a le droit à poison sur des attaques différentes? Ouais, le poison, je crois que c'est le sort qui Ouais, apparaît tous le poison, c'est le... D'ailleurs, entre sort et troupe, c'est le seul que t'as le droit d'utiliser sur plusieurs attaques. Sinon, c'était trop chiant au niveau des CDC, au niveau... Enfin, ça rajoutait beaucoup trop de règles bizarres. les jours. En tout cas, on est sur un perf plutôt tranquille. Mais encore une fois, le time, attention. Ouais, mais Là, je je crois crois qu'il garde qu'il l'avantage au timer, hein, parce que son attaque Je était crois. vraiment plus rapide, hein, la première. Ouais, je crois qu'il a un... ouais, je crois qu'il est plus devant. 40 secondes. Donc ça date. Ouais, mais du coup, c'était sûrement HDV12 4 golems de glace sorcière. Tiens, regarde, il nous fait la même que Alpha sur leur premier X. 2 PK, 5 Valkyries, 2 sorcières. Ouais. Et finition cochon. C'est marrant parce qu'il y avait une règle la première semaine, je crois, il y a eu la règle des Valkyries. Les 5 Valkyries obligatoires. Et ils ont mis les Valkyries alors qu'elles sont plus obligatoires. Je trouve ça très très drôle. Ils ont vu que cette troupe était trop forte, c'est tout. Il y a Peut-être. la VAR. Ouais, il y a la VAR. On est la VAR. Ok, CDC, archer, sorcière, baby, ok, donc pas très contraignant, surtout avec des Valkyries. Par contre, la reine, elle a tourné.
Alors, rien de séparé, par contre, ça va être chiant. Ouais, après, la double poison, ça c'est... Oh, par contre, c'est ralenti. Ces Valkyries, elles se sont fait fumer ou ça se passe comment? Non, elles sont là encore, t'inquiète. Je sais pas, je les Mais vois elles vont pas. péter sur la tour à bombe, je crois. Ouais, après, est-ce qu'il y a le PK qui est au centre? Ah ouais, mais il va prendre la foudre, le PK. C'est contraignant, là, que la reine allait tourner. Elle a plus accès à grand-chose, en plus, de l'extérieur. Après, là, l'HDV, c'est déjà pas mal, tu me diras. Il a pas fait tomber le CDC. Aïe, 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 ça peut être chiant en fin d'attaque, ça. Ouais, c'est surtout que là, ces cochons, ils sautent, ils prennent la foudre au milieu. Il a remis des cochons pour compenser, parce que bah, l'Arc-X tombera pas, sinon. Aïe, 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 les Tesla et tout. Aïe, c'est super bien piégé. Ah, je pense pas qu'on aille chercher le pierre sur celle-ci. Il reste encore un soin, hein. T'avances pas trop, hein. Un seul soin, justement, mais Ouais, par contre, ça saute, hein, il prend tous les ressorts, c'est ouf. En vrai, la reine qui rentre pas, ça le met tellement dans le mal, il avait accès à tellement de trucs au centre avec sa reine. ah bah là, la reine, elle est rentrée, c'était pire. Enfin, il n'y avait pas cherché midi 14h. Hein. C'était Ouais. plié. La reine rentre, c'est plié. Ouh, dur, dur, dur. Ouais, malheureusement, ce n'est pas un père, cette attaque. Eh non, on a le premier fail de la soirée. Bah du coup, faut espérer... Enfin, Terra Agricole est obligé d'espérer une défense. Hein. Mais ça va pas être évident, parce qu'en plus, le pourcentage est pas très élevé. Ah, la reine C'est un qui petit... tourne, quoi. Ça l'a foutu dans le mal. Ah, c'est dommage, Mais... parce que ils ont bien géré jusque-là, et rip. Ouais, c'est pas faux. À moins si tu farmes, ça devrait le faire. Si t'es un gros farmer, ouais, t'en as pour un moins de 6 mois du coup. Après, quoi que ça dépend. Si aussi tu utilises le pass, le livre de héros et tout, ça dépend. Ok, on est sur de l'avalanche là. Version T'as Wish. vu le nombre de sapeurs? Ouais. Il y en avait combien? 13, 14, 15? Je sais plus. 14, je crois. Ouais, un truc comme ça, ouais. Enfin bref, Ouais, il me l'avait fait la dernière fois sur la base bizarre que t'avais kiffé. En tout cas, c'est marrant parce que c'est vraiment un avalanche version Witch. Ouais, mais ça marche, regarde comment il dispatche ses sorts de skull, ça aide aussi à Ouais, mais détourner et tout. je suis en train de me dire, mais là, il est en train de clean. Il y a moyen. Hein. Bon, ok, on est encore au début d'attaque, il n'y a qu'une minute qui s'est écoulée, blablabla, mais sa gestion des sapeurs est insane. Sa gestion du séisme, extrêmement propre. Toutes les défenses sont vers l'intérieur. Ça veut dire que là, la reine qui rentre au milieu, couverte par les géants et le mini-golem et le roi, les deux sorts squelettiques, ça va chercher le perf, cette histoire. Ouais, il a une manière de gérer cette compo un peu à sa Hein. façon, mais ça marche bien. Alpha, t'es trop chiant de jouer ce qu'il est, vraiment. Parce que du coup, nous, on sait qu'on pourra jamais faire ça, tu vois. Alors, t'es là, je suis incapable de jouer comme ça, vraiment. Je joue tellement peu T9 que quand je joue T9, je fais du suil à l'eau et je fais que ça. Moi, T9, je t'explique, je pose 3 golems, mes sorts de saut, mes sorcières derrière, mes sauts, et ensuite je gère mon Oh, putain, il est dernier saut, large. Hein. et il est tellement large. Oh, sa mère! Je me dis que c'est pas possible en fait dans ma tête. Non, en fait, normalement, le truc à ce moment-là, c'est... Tu prends les deux premiers matchs, enfin les deux matchs gagnés des deux côtés. Tu regardes les stats, donc le nombre d'étoiles faites en tout. S'il y en a autant, tu regardes le pourcentage fait en tout. S'il y en a autant, tu regardes les minutes en tout, combien ça a pris. Ok. Ouais, mais c'est juste que tu prends les autres wars en compte, quoi. Enfin, Oh, les ouais, en fait, c'est victoires. ça. Ok. Dans un VO3, si t'as une win, une défaite et une égalité, tu prends les deux premières GDC, et en fait, c'est ceux-là qui vont déterminer du coup bah, le classement final, quoi. J'espère pas que ça va arriver, c'est chiant quand même. Ok, du coup, Fruity qui est en... Bah, qui nous fait... En fait, je pense qu'ils vont pas trop changer de compo, hein. Ils vont passer les mêmes. En même temps, ils ont pas beaucoup d'options là pour le coup. Par contre, il a déjà perdu toutes les troupes qui étaient avec la reine, c'est ouf. Le roi ennemi n'est pas tombé. Ça va être potentiellement gênant. Après, il devrait finir par le roi. Donc à voir ce que ça va donner. Allez, la reine pourra pas prendre le roi de toute manière, elle va mourir. Ouh, cette première attaque me paraît complexe quand même. Bah, je me demande s'il va pas one en fait.
Non, 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 les cochons passent par là, il a des archers. Ah ouais, il a que des archers, ça va Il être a que des long. archers en fait pour aller prendre le TH1. Ah, si ça commence avec un one, c'est la mort. Hein. Parce que bah forcément, one, c'est deux étoiles en moins. Ça pique, hein. Ah, en fait, le problème, vraiment, c'est qu'il reste le roi à la fin, quoi. Bah, le poison sur le roi, je pense, non? Ouais, Ouais. mais il faut qu'il lui reste suffisamment de cochons pour qu'il puisse tuer le roi, sinon le roi, bah, il va se les faire un par un, et puis bah c'est fini, quoi. Parce que regarde, il reste beaucoup de réserves autour du roi. Hein. Oh, le time qui va le niquer, je pense. Je sais pas, faut voir. Allez, Og, là, faites-moi tomber ce roi Non, c'est 30 bon, il reste assez pour de aller cochons, chercher il ce. reste assez de cochons. OP, 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 parfait, Ah, mais parfait. attention, parce que y a toutes les mangeantes n'ont pas pété. Attends, une, deux. Non, il en manque une. Il en manque deux même. Non? Ouais, mais les cochons, normalement, ils repassent par là où ils sont déjà passés, donc il devrait pas y avoir de problème au niveau des bombes. Ouais, en Ouais, ouais. théorie. En tout cas, les Hogs, ils vont bien du coup aller sur le TH, hein, ils vont bien remonter. Oh, mais c'est Et bon, c'est vraiment ça pas devrait qu'il. perf, là, y a Donc pas... ça perd tranquille. Ouais, ça perd tranquille. J'ai eu un peu peur un moment, mais non, c'est bon, ça c'est bien. En vrai, les pièges étaient... Il a pas pris beaucoup de ressorts sur ses cochons, du coup, il restait suffisamment de cochons pour tuer le roi, Ouais. tranquille. Exactement. Il restait pas suffisamment de. Enfin, il n'y avait pas suffisamment de pièges pour poser problème. Non mais bah écoute ouais premier pair un peu lent du coup mais Ouais, là, il est parti en mode. À mon avis, il a vu le time, il a fait. Ah, j'ai pas le time, les mecs. Ça va. Tu te souviens du Lalo full speed qu'on avait vu? Ah ouais, le truc super rapide là il lui avait roulé dessus. Ouais, il a roulé dessus en 1 minute 20, un truc comme ça. C'était archi violent. Et il va aller chercher la reine avec son roi. Non, juste le roi là? T'es sérieux? Non. Ah si, il a posé la Si, reine. Il a posé la reine. il a posé la reine quand même. Il va aller Ah bah, il va chercher prendre la l'HDV reine. avec, il a dit bon, pas le temps. Ouais, je pense qu'il va vouloir aller chercher le TH et le CDC, c'est pour ça En qu'il même temps, pose la la reine reine. rentre, il n'y a pas grand-chose dessus. C'est normal qu'elle rentre parce que du coup les archers vont attirer la reine. Et là on voit Ah, il y a le l'intelligence canon, de il y a la le canon, il y a le canon. Mais ça va prendre. Au moins comme ça sécurera l'HDV. Il est tranquille de ce côté-là, normalement. Peut-être. reine. La cape a déclenché immédiatement. Ah, il voulait pas perdre de temps sur le drag. Ouais, Ah, bah, malheureusement, bof, tant pis, hein. elle est focus par l'archer, c'est le galon là, c'est fini là. Hein. Ouais, mais C'est dommage. c'est pas grave, elle a pris suffisamment d'HP sur l'HDV, c'est déjà pas mal. Ouais, elle a beaucoup baissé. Le point de vie du TH, c'est bien ça. Ok, Bien, c'est bien. ça va aller chercher l'arc X, tranquille, sort de gel au niveau du propu, ressort de speed, ressort de gel. Il veut pas que son molosse y pop. Bah, il va en garder Il un veut pas parce qu'il reste que. deux entières, il lui reste un molosse, hein. Et ça Ouais, mais bouffe justement, les... Oh, ça a pris les mines là? ouais, il s'en fout, ça perf. Ouais, bah oui. Bah, après, le Lalo, c'est extrêmement fort en T9. Hein. Ouais, après, bon, full speed, full gel, sans, il a fait un KS magique. Bon, voilà quoi. Ah, par contre, les petits squelettes aériens là qui peuvent venir faire chier un petit peu. Oh, ça va lui tuer un ballon, deux ballons, t'as vu ce qu'il reste? Non, mais il n'y a pas beaucoup de ballons hein, qui restent. Hein. 50. Ouais, bien sûr, Il est tellement large. ouais. Ouais, il va perf en 1 minute. Enfin, en 2 minutes, du coup, il va lui rester 1 minute. Ah bah, 1 minute 20, ouais, c'est ça. 1 minute, il reste. Il est tellement large. Tranquille. Ouais, mais ça fait le taf, hein, il a fait une def. Ouais, c'est bien. Après, il a assuré au niveau attaque aussi. Hein. Tiens, du coup, on est Oh, parti avec lui. Il y a que Ashlalo. trajet en speed. Ah, j'ai l'impression que Alpha il a pas changé ses compos, hein. Genre il a les trois mêmes il a les trois mêmes hein, que le match d'avant. Ouais, c'est bien, c'est ce que je pense aussi, parce qu'à mon avis, il a eu la flemme de changer. Bah, en même temps, je rappelle, hein, il est tout seul, hein, donc c'est pas forcément évident de changer et de s'adapter vraiment bien parfaitement à la base avec les règles du tournoi. Surtout qu'il a Par 9 contre, minutes avant de faire sa première attaque, donc bon. ils ont changé leur build terre agricole. Il n'y avait pas ce build-là tout à l'heure. Oh, regarde-moi ce golem. Et pas de sapeur Oh, pour les guerriers rentrer. qui se sont fait focus par l'arc X. Soit il envoie le Lalo rapidement. Oh là là, eh, attends, 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 parce que là, en vrai, il est pas forcément très très bien. L'arc X peut vraiment carry. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il faut qu'il envoie son Lalo rapidement en fait. Pour aller Bah ouais, prendre. mais il a forcément un propu sur la tronche. Ouais. Donc c'est pas forcément ouf non plus, sachant qu'il a peut-être deux molosses.
Bah en fait, dans le sens où pendant que l'Arkix est occupé, le Lao peut faire le taf ailleurs, tu vois. Ouais, ouais, mais ouais. Après, bon. On n'est pas à leur place. Ouais, exactement. Mais en vrai, la reine a fait le taf, elle va prendre l'Arkix et tout, malgré que l'Arkix a tué presque toutes les guerriers. Alors là, la reine, elle a quand même pris des bâtiments à très très fort dégâts, enfin très très fort point de vie, pardon. C'est insane ce qu'elle a fait. C'est plié. À moins qu'ils se prennent full rouge là, au niveau de la tour de sorcier, ça m'étonnerait, mais. Quoique, je me suis peut-être un peu avancé. La caparène qui a été déclenchée, l'anti-air qui est en train de carry un peu. Ça va, il a détourné la tour de sorcier. Comme ça, ses ballons ont pu prendre l'anti-air. Ok, ouais, c'est bon. Ça perd flash. Voilà, comme quoi la perte des guerriers à cause de l'Arkix n'ont pas du tout été gênant. On a pas ça dans le jargon, on s'en bat littéralement les couilles. Voilà, c'est. Il est arrivé, il a perdu 4 guerriers. Oh, t'inquiète, frère. Je gère. Ça sert à rien, les guerriers. J'aurais fait un suicide, ça aurait fait le même effet. Le roi qui va servir à rien, parce que du coup, les gargouilles sont de chaque côté. Il ne reste qu'une petite réserve d'or, mais il va y avoir des ballons, la reine dessus. Par contre, tu noteras quand même qu'au niveau du timer, pour l'instant, Alpha, il est pas bien. Il est pas bien du tout. Ah ouais. Ses attaques ont toujours été assez longues. Vas-y, on est parti. Du coup, c'est Poupou cette fois qui attaque et il nous fait la même que tout à l'heure. On espère que ça va mieux se passer. Ouais. Enfin, mieux se passer. Disons qu'il a quand même perdu, c'est le principal. Hein. Il a un golem CDC, 3 golems. Dans les camps, du coup, il est bien à 4 golems max. C'est bien 4 golems, on est bon. Ah, il a mis un sorcier dans le canon, dommage. Ok, le poison pour contrer le roi, OP. Le golem s'est déjà fait détruire. Hein. C'est ouf. Ok, il a reposé le dernier golem sur l'extérieur. Il devrait être pas mal ce golem, hein. Il tanque un canon, tour d'archer, tour de sorcier. Oh, la tour d'archer qui va pas tomber. Oh, la tour d'archer qui va pas tomber. Bon, c'est pas grave, la reine va aller la chercher. Il va revenir. Parfait. Du coup, la reine qui revient sur le CDC, c'est bien. Pour en plus, c'est full sorcière. Avec le poison, c'est pas forcément très gênant. La reine, elle est tombée à une vitesse. C'est incroyable. Elle s'est fait déboîter. Tu vois, 2 secondes. Bon, c'est... La reine, elle est morte pour moi. Voilà. En vrai, là, il est pas mal, hein. Sa reine, elle a accès à peu près à tout. Par contre, il y a quand même l'HDV à taper. En fait, le seul truc là, le problème qui peut être gênant pour lui, c'est que il y a des défenses extérieures et les seuls trucs qui lui restent, c'est. Bah, pas grand chose, en fait. Il y a une Tesla Corner au sud. Ouais, il reste pas grand chose, effectivement. Ouh, ça va pas chercher le perf cette histoire-ci. Si, ça va y aller. Il n'y a pas de raison que ça y aille pas, là. Il a pas vu la Tesla Corner. Les géants, ils l'ont vu, par contre. Ouais, il y a les Golemites aussi, je crois, qui sont partis avec. Ou un, du moins. Il est un peu derrière le géant. Ouais. Par contre, il faudrait que la reine fasse un petit demi-tour pour aller chercher l'Arkix. Après, il y a toujours le golem devant, donc tranquille. C'est bon. Tranquillement, ça va passer, cette histoire. Ouais, les géants vont prendre la Tesla, c'est cool. Et en plus, regarde, hein. Perf, moins d'une minute. Ouais, il est large. Restante. Enfin, plus d'une minute restante, je veux dire. Et il est avec son... Avec son avalanche. Son avalanche Wish. Avec ses 15 sapeurs, là. Il me fait délirer avec ses 15 sapeurs, c'est ouf. Il est parti en Naval Witch, là. Naval Witch. La nouvelle compo. Okay, c'est HDV9 Vous ne savez pas avec quoi utiliser le Naval Witch. Tu pourras en faire une vidéo. Oh putain, c'est tellement fort cette merde. 15 sapeurs en plus. Ouais, mais ça marche bien. Hein. Et après, il a encore ses sismiques, hein, donc il peut ouvrir. Oh là, il ouvre tellement la base, c'est ouf. Il a ouvert en 4 la base. Et les skulls au niveau de l'Arkix avec les géants devant. Oh, le molosque est sorti par contre côté géant, côté skull. Tant mieux. Tant mieux, pas forcément. Si les sorciers vont le taper plutôt que l'Arkix, c'est un peu relou, tu vois. Ah ouais, exact. Et c'est exactement ce qu'il fait en plus. Après, tu me diras, du coup, ouais, la reine, elle est tranquille. Ouais, mais le roi tombe. Oh, il est en train de dérouler. Ah, le molosse en fin d'attaque, ça va être un enfer. Hein. Bah, surtout que ça risque de tanker l'Arkix, du coup. Hein. Enfin, de tanker pour l'Arkix.
Ouais, ça tombe bien pour Ah, en plus, la regarde toutes tank. ces troupes de ces golems, ces gens-là, il y a tout qui est mort. Il y a plus quasiment plus de tank, il reste les golemites. Oh, oh, le Ouais, molosque par a contre. pété, c'est bon ça. Ah, c'est parfait ça Bon, pour lui, par contre, par la contre. caparène qui a été déclenchée. En vrai, si la reine fait demi-tour. Ouais, c'est Ouais, bon, ça elle va descend, passer, ouais, elle ça va descend. passer. Nickel, nickel. Oh, nickel pour Alpha là, ça va aller chercher un perf. Et Alpha qui nous fait deux perfs map. Hein. À moins que la reine soit une débilos finie. Non, Mais elle je va pense taper que. le mur, aller chercher la mine, et après elle a l'accès à l'Arc-X de l'extérieur. L'Arc-X qui a déjà Ouais. pris des dégâts, hein. Il est mid-life. Ouais, puis là, de toute façon, les remparts sont ouverts, donc la reine, dans le pire des cas, elle rentre direct. Et vu ses HP, elle va faire tomber l'Arc-X avant de mourir, normalement. À Ouais. moins qu'il y ait des bombes sur son chemin, Non, 50 non, non, squelettes. ça passe, ça passe, ça passe. Ah, attention, s'il y a des squelettes, ça passe, hein. Non, ça Ça passe. passe. Non, mais tout avait déjà été déminé, donc Alpha qui vient claquer un deuxième full map. Et je stresse plus là en jouant pas que quand je jouais, ça n'a aucun sens. Par contre, il est parti en cochon sur cette base ultra serrée, ça peut bien passer. Hein. C'est il l'a fini comme il a fini. J'arrive plus à parler. Il l'a fait comme ça son attaque. Hein. C'était avec cette compo. Hein. Ouais, mais connaissant mieux les pièges, peut-être qu'il va la jouer différemment. Parce qu'il l'a déjà attaqué cette base? Bah, je pense, non? C'est ce que ça va... Si ça avec cette compo, c'est que. Non, non, c'est juste qu'il avait la même tout à l'heure. C'est comme Alpha, il a tapé avec les mêmes compos, mais c'était pas les mêmes bases. Non, il la pose différemment parce que l'essentiel est posée à... il est posé au Non, sud. mais t'as vu quand Là, il même la les pose. witches qui gèrent le roi, hein, tranquille. Hein. D'ailleurs, c'est un petit tips, si tu connais pas, c'est un roi qui est un peu gratuit, genre il n'y a pas de def qui le protège, tu peux le prendre avec juste une sorcière. Ouais. Les squelettes vont faire le taf. Ouais, Par les contre, squelettes là, vont distraire et il a les mis la sorcières la caparène tuer. déjà. Bah ouais, il avait pas le Non. choix, ses troupes ont tourné en fait, et la reine s'est retrouvée sans protection, et du coup il a perdu sa Ouais. capa. Après, c'est pas forcément... ça peut jouer, mais pas forcément. Ça peut En tout passer cas, quand là, on même, est hein. sur les roquets de lave qui sont tous morts, du coup, plus de CDC. Ça va être On a dur, la il reine, faudrait du que le coup, roi qui prenne est. l'Arc-X là. Oh, il va le prendre, il va Bah, le prendre, il va le prendre. le roi va prendre l'Arc-X, c'est les cochons qui vont venir donner un gros coup de main. Par contre, l'Arc-X qui focus la Il y a reine. peu de ressorts, hein. Il a déclenché pas mal de pièges terrestres. Ouais, justement, je t'avais dit, il l'a pris différemment parce que justement, il a vu que tout à l'heure, ça lui avait posé problème. Sachant à peu près où sont tous les pièges, il a attaqué de Oh, façon ça va perf. Là, je vois même pas à. comment ça fait. Il a moins qu'il prenne une triple bombe d'un coup là et qu'il ait pas Non, posé son y a une soin. Mais... Tesla. Il y a une Tesla tout à gauche. Ouais, mais ça passe, ça passe. Il a un poison pour les skulls s'il faut, il a tout ce qu'il faut. Je mettrai le sort de soin histoire d'eux, parce que des fois que les Tesla Ouais, soient piégés. il l'a Voilà, fait, il l'a fait. Hein. Il prend là, pas le risque à le troll, il se dit vas-y, je pose le sort quand même. Hein. là, mais tu vois, voilà. Par contre, il reste une petite minute. Ouais, mais il a Il le avait temps, trop. il a le temps, ça va. Voilà. Même Il le avait roi est encore en 32. vie. Ouais, c'est vrai. Et les cochons, en vrai, c'est assez rapide. Hein. Ça fait des bons dégâts. Donc. Mal, hein, les cochons. Hein. Les cochons, c'est vachement sous-estimé. Hein. C'est très fort, les cochons, mine de rien. Ouais. Même en T15 avec les Minogues. Hein. Bah, même sans Même si. Minogue, hein, après, bon, c'est un peu plus délicat à jouer, mais ça peut Eh ben, passer. GG. GG Terre Agricole, hein, franchement. Et mon cul, c'est du poulet aussi. Je sais pas, j'ai pas goûté. T'en passeras, je pense, à un moment. Je sais pas, faudra On essayer, on verra. Hein. Ça, je pourrais te dire. est Hein. parti sur un AQH quand même avec 3 golems et full sortie. Hein. Donc on est sur un QC... Ouais. QC Gobi. Y a pas. Et ah oui, on rappelle quand même que du coup, vu que c'est le dernier match de la finale, hein, et ben, il n'y a aucun CDC offensif. Donc ils vont bien en chier. Et c'est ça qu'on aime. Ah ouais, let's go! Là, je pense pas qu'on ait 9 partout quand même. Non, là, ça m'étonnerait. Hein. Il y a trop de hits tout à l'heure qui passaient grâce au CDC. Donc, oh, En l'open plus, c'est saber du qui a été fait boloss. pile à temps, juste avant que la bombe géante explose. Incroyable. Ouais, par contre, les open support, elles sont magiques. Ouais, il renvoie un sapeur. Ok, ça redémine. Oh, c'est beau ce qu'il fait là. Ouais. Pour l'instant, il est pas mal. Hein. Par contre, t'as vu, il a full rage et il a un poison. Hein. Du coup, pas de speed, que dalle. Bah, son but là, ça va être poser les golems pour aller clean et. Enfin, les golems Le pour rage tanker, pour la les reine. support clean et la reine qui doit tout faire en fait.
Bah ouais, clairement. Clairement, du En coup, tout cas. ça change un peu comme strat, hein. En tout cas, il est mid, du coup, à partir du moment où la reine est mid, déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il va survivre 2 étoiles si la reine ne tombe pas. Ouais, mais là, Bon, va si la pas du reine bon sort. côté, frère. Donc, c'est compliqué. Voilà, la reine, elle part un peu du mauvais côté, là. Peut-être falloir qu'il... Oh là là. Ouais, si t'as vu, il y a un golem, du coup, qui sert à rien. Ouais, je crois qu'il essaye de la faire revenir, mais si elle devrait revenir, elle devrait revenir. Allez, dis-moi que tu reviens, dis-moi que tu reviens Ouais, là. Oui, elle va non, revenir, je pense. l'orage! Ah, l'orage. En vrai, si, puisque du coup, il soigne la reine, mais c'était pas Ouais, ça tellement soigne la nécessaire. reine, mais il est pas très optique parce que du coup, la reine n'en profite pas. Ouais, ça sert à rien, là, on est d'accord. Il est... C'était... Si la reine était restée, ça aurait été intéressant, mais là, malheureusement, ce n'est pas le cas. En tout cas, ça va assurer le bi sur cette attaque. Déjà, c'est une bonne nouvelle pour ta agricole, là, qui commence bien. Ouais, après, en vrai, c'est bien, le golem il tank bien, il a... Regarde ça, l'open sapper, qui va permettre au golem de rentrer et au sorcier éventuellement d'aller chercher cet arc-X. En plus, le deuxième sapeur qui va affaiblir les murs. Oh là là, Il ça est c'est pas pas mal, bon. hein, il est pas mal, il lui reste un rage, il lui reste la cape arène. Par contre, au niveau du timer, c'est tendu, hein. Ah là, on avait dit, hein, ce serait le timer, si jamais ça va chercher potentiellement les perfs. Ouais, c'est... Ça Oh, se ça va jouera être au dur, ça va timer être dur, ce sorcier sur le côté, ça meurt. et là ça va être dur, hein. Ouais, ça va être très très dur d'aller chercher le perf. En tout cas, il a encore la cape arène 30 secondes, il va devoir activer la capa. Pour aller gratter du clean, parce que là on arrive vraiment sur la fin de la fin de la fin du temps. Allez, 15 secondes, mon petit Ben là, mon petit Gauthier, peut-être falloir que tu actives la cape arène, du coup, pour aller péter ce mur, ouais, par contre c'est un petit peu tard malheureusement. Et ouais, ça va time. Oh, c'est dommage, la strat était sympa, mais ouais, c'est long, En tout cas, une chose est sûre, la reine qui va taper un 89%, malheureusement, on n'est pas sur un 90, ça aurait été bien, un petit pourcent de plus. Ça commence très très bien, là. Ça commence extrêmement bien. c'est dur, hein. Ça va être dur. Oh, je sais pas combien il va y avoir de perf là, j'arrive pas à... Comme ça va jouer au timer. Tout le monde va être stressé jusqu'au bout. Je joue au pourcentage là, je pense, pas au timer. Étoile ou pourcentage? Je pense que le timer il rentrera même pas en ligne de compte. C'est possible, hein. C'est vrai que s'il n'y a pas de perf, ouais, pas de perf, Bah ça se non, mais jouera pas. déjà il y a un fail donc ça m'étonnerait que ça joue au timer, tu vois. Pas si l'autre en face va pas faire 89 aussi, hein. Ah, peut-être, mais bon, après ça. Tiens, Ouais, regarde, on d'ailleurs, on part est sur du parfait à Lalo. l'instant. Puis Lalo, c'est bien, au moins c'est efficace. On sait que là, on veut aller chercher du coup la reine adverse en prio avec le CDC. Ouais, par contre, s'il y a un molosse, ça peut être gênant, normalement. Enfin, ça peut. Normalement, ça passe, hein. Comment il fait rentrer le roi, par contre? Il a pas de sapeur. Il compte sur le roi qui tape le mur. Ouais, il tape l'angle. Non, il tape pas l'angle. Ça, c'est dommage. La caparoa qui est déclenchée du coup pour faire rentrer rapidement le roi dans le Oh, il y a un compact. molosse. Ah, Ah, bah, c'est un il l'a molosse. dans l'os. Il l'a dans l'os. Il prendra pas la reine. Ouais, il prendra pas la reine. Il prendra pas la reine. Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et ben là, le 2 étoiles est obligatoire par contre. Ah ouais, mais je pense que de toute façon, il va l'allo côté HDV, hein, donc il va commencer à 3h et il va remonter, il devrait... Enfin, je pense. En tout cas, la gargouille qui est extrêmement bien placée pour terminer tout ce qui est. Ah, Oh la vache! allez, te laisse là à 3h. Heureusement qu'il a commencé en startant avec son molosse par là, hein. Il a au moins pu déminer les petites bombes rouges. Par contre, il faut rapidement qu'il pose ses ballons parce que là, les deux molosses ils vont pas tenir longtemps. Oh, il y a des skulls air et tout. Elle a l'air d'être bien trap aérien celle-là. Bah, quand tu vois la base, ouais, c'est en halo, tu te dis bah, ça va passer quoi. Bon, par contre, là. Le problème du Lalo, c'est si tu prends pas la reine. Bah non, mais là c'était mort, hein. Le suit, il a rien pris. C'est compliqué, hein. C'est Là, il lui beaucoup reste trop compliqué. 4 ballons, ça va être compliqué, ouais. Il doit tout poser pour aller chercher cette anti-aérienne à tout prix. Ouais, mais il Parce que là, l'aura j'ai un même peu pas, de. il faut qu'il prenne au moins la tour à bombe, ce serait pas mal. Parce que avec Là, le propulse entier, il pourra pas l'avoir. on a. Ouais, et là, on est sur. Oh. Oh, l'anti-air qui tombe à gauche, en tout cas. On est sur un one, on va aller chercher un 2 étoiles, petit pourcentage. C'est là, Et ça c'est pique un pas peu. du tout la même sans CDC, hein. Tu vois qu'ils sont déjà beaucoup plus en galère, hein. Ouais, mais par contre, attends, il a combien? Il a deux gargouilles sur le TH. Ouais, deux gargouilles, ça Non, c'est suffit bon, largement. ça passe, ça passe. Il aura le bill, c'est sûr. Ouais. Je vais regarder, deux gargouilles, c'est bon. S'il y en avait qu'une, tu vois, une seule, c'est pas sûr.
Ouais, non, une, ça aurait été peut-être un peu compliqué. Mais c'est ce que je t'avais dit, tu vois, il allait commencer de ce côté-là, forcément, pour avoir Ah bah l'HDG. là, là t'as sur le 2 étoiles, parce qu'un 1 star ça te fout dans la sauce direct. Hein. C'est hardcore. Hein. Si tu prends un 1, c'est hardcore. Hein. Si tu one, t'es un peu dans la merde, quoi. Le mec derrière, il fait juste un bi pour compenser, c'est bon, tu vois. Ouais, puis après, si tu prends un perf, là ça pique. En tout cas, là, Alpha qui se dit un peu. Pas ouf cette sensation là, hein. Le petit goût dans la bouche amère là. Du coup, Ouais, va bah, falloir rassurer sur les prochaines attaques. Hein. ouais. Il va Ah, falloir sans surtout CDC, assurer ça change. défensivement. Hein. Sans CDC, ça change totalement tout. Ouais, clairement, c'est pas du tout la même. Hein. Parce que déjà, Gauthier, il aurait pas à time. Il a sûrement perf avec le CDC. Oh, avec le CDC, il mettait 1 minute. Hein. Fritchie, en vrai, je sais pas. Hein. Parce qu'il s'en suit, a pas fait le taf. Ça part de là le problème. Ouais, compliqué. J'espère quand même qu'il va y avoir un perf sans CDC. Ça, ce serait beau quand même, hein. Ce serait beau un perf sans CDC là. Tu m'étonnes. Voilà. Ce serait beau 4 perfs sans CDC là. Ok, je force peut-être un peu beaucoup. Mais là, je pense que les mecs, ils partent surtout en mode faut assurer des billes au minimum. Ah bah la bi minimum et puis ensuite à Jane que pour alors c'est un peu le. Si ça perf, tant mieux. Si ça perf pas, bah fait chier, quoi. Mais faut 2 étoiles. Ouais, c'est ça. Salut, l'ombre clash. Allez, on est parti du coup avec bah, celui qui vient de se faire attaquer, tiens. Avec Poupouf. Oh, salut Owen! Comment ça va, Owen? Ça fait super longtemps. PK, Valky. 8 Valky. Putain, ils mettent de la Valky aujourd'hui. Hein. Ah, bah là, c'est. Comment on appelle ça? Je sais pas. Du P. Pevaog! Un Pevaog, tu PK, sais. Vaog. PK, Vaog. Non, je sais pas. P. Pevaog, ça fait un peu. Je vais te quitter dessus, tu vois, Vaog. Pevaog. Ok, il a Ah, ça peut. balancé. Drag baby. Ok, c'est pas forcément trop gênant. La reine va pouvoir s'en charger Ouais, tranquillement. dans les bébés, dans le poison, c'est pas dérangeant. Il a un sort de saut. S'il arrive à Sauf prendre les qu'il deux est. Arcanes, il est tellement refait. Alors, si les PK et Oh, la reine le va roi est mort. tourner. Ouais. Ouais, Ah elle ouais, elle va tourne. tourner la reine. Encore une En tout fois. cas, c'est pas grave, les PK qui sont mid là, qui vont aller chercher du coup cette tour de sorcier, qui vont ensuite prendre le sort de saut rapidement, aller chercher le deuxième Arcanes. Les PK qui sont plus Il intéressants que soigne la reine. les PK? Bah ouais, c'est logique, puisque c'est eux qui doivent prendre les défenses mid. Ouais, mais il reste quand même beaucoup de choses en périphérie et il a pas des masses de cochons, quoi. Il va assurer le 2 étoiles, je pense, en sachant que la reine n'est pas rentrée. À mon avis, c'est pour ça qu'il soigne les PK, pour assurer vraiment le bi, Ah pour pas oui, être parce emmerdé. qu'il reste encore la reine ennemie, j'avais pas fait gaffe, je suis Ouais, bête, il a tapé opposé reine quand même. C'est osé. ah bah là, ah bah il a assuré le 2 étoiles. Il va chercher le 2 étoiles. Par contre, En plus, pendant. tu remarques quand même qu'il va avoir un bon pourcent. La reine s'est mise à taper les cochons, mais ça devrait sortir assez vite Voilà, du mais rayon. les. Ah, Enfin, la c'est reine, elle dommage se qu'il ait pas tue les réussi à garder la cochons. cape à reine, il aurait pu prendre la reine ennemie. Il était bien. Ah Ah, là, il là, ça prenait la reine, ira pas au père, je c'est pense mort. à. Non, même en prenant la cape, la reine ennemie, elle n'allait pas chercher le perf. Ouais, j'ai vu les Tesla après. Effectivement, compliqué, Voilà. hein. C'est dommage. Compliqué ces hits là sans CDC avec les régus déjà de base du tournoi. Hein. Et on peut dire qu'il y en a déjà beaucoup des régus sur le tournoi. N'empêche, c'est vrai que quand tu alignes le fait que tu as 3 attaques, que tu as le droit d'utiliser que chaque troupe et chaque sort qu'une seule fois, du coup, sur une seule attaque. Que t'as des restrictions sur les PK, les sorcières, les golems, les sorts de foudre et les sismiques. Plus t'enlèves le CDC offensif. Ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait énormément de trucs qui manquent et derrière pour aller gérer un potentiel perf, bah du coup.
Ça picote. Ouais, par contre, au niveau pourcent, ils sont pas mal à chaque fois. Hein. 89, je crois, sur la première attaque, et là, 82. Ok, on est du coup parti. Valkyrie, sorcière, cochon. Donc ça, c'est. Il avait la même compo tout à l'heure. C'est juste que bah il a pas le CDC du coup. Il a pas de sapeur. Hein. Il garde ses sapeurs sûrement. Il va nous refaire sûrement une avalanche avec ses 15 sapeurs. Ok, ça tombe, ça va chercher le roi, tranquillou. La reine qui va tourner. Non, elle est soit tirée par le CDC. Ok, nice. Bon, les witch tournent, le PK tourne, c'est pas grave. Poison sur CDC. Parfait, le drake qui devrait mourir, tranquille. Et le roi qui a tiré la reine, il va la faire tomber ou pas? Normalement, il devrait. Ouais, on est bon. Là, il est bien parti pour perf. Hein. C'est propre. Hein. Il est bien parti, il lui reste un seul sort de soin à voir au niveau des trappes pour les cochons. On a déjà vu, il y en a qui ont sauté. Est-ce qu'il y a des bombes géantes ou non? Sort de skull. Enfin, sort de skull. Piège skull, pardon. Ouais, la reine qui est encore en vie. La capa. Oh, ça va. Oh, oh les Tesla à la fin qui piquent. Oh, le parc Tesla qui vont fracasser ces hogs. Oh, il était bien, et là, les Tesla à la fin, là. Ah, oh, ça a pas aimé avec la bombe et tout. Ah, j'y ai cru à un moment, je me suis dit, il y a moyen, peut-être en fonction des pièges et tout. Et bah ouais, les pièges, ils l'ont bien niqué. Oh, dur. Alors, il y a un PK qui a pris une Tesla, ouais, mais la reine, elle a plus de kappa, elle a plus beaucoup de vie. Il reste quand même deux Tesla, une tour de sorcier, ça m'étonnerait fortement que ça y aille. Ah, et puis la reine, elle va taper la réserve, elle se fait aggroupe à la tour d'archer, c'est mort. Ah, c'est fini. C'est dur. Ah là, là il va falloir que bon la prochaine soit un perf hein. C'est même pas un... c'est j'avoue là compliqué hein, le dernier match Ah bah là s'il semble s'il n'y a pas de perf c'est Targicol qui remporte parce que là ils sont largement devant en pourcentage, deux attaques deux fois largement devant, 82-89 contre 66 et 80. Non, il va faire 82 là. 82, allez, ouais. Ouah. Mais ouais, du coup, il a l'avantage surtout sur les deux premières attaques, quoi. Ouais, 66 qui fait très très mal, quoi. Ouais, bah, il a raté son suie, hein. Et du coup, bah, forcément, le Lalo après, compliqué. Hein. Donc, il a dû taper côté HDV pour sécuriser l'HDV. Ouais. Ouais, Didi, je sais pas si t'es sur le live, mais c'est... y'a pas de château de plomb. Ouais, y a pas de château de clan. Ça fait 30 places et, un sort en moins. Une sort. Ouais, ouais, non, mais tout va bien. Ouais, 82%. Vas-y, j'aimerais bien un perf là pour finir là. Ce serait bien quand même. Ce serait beau. Y a moyen. Je sais pas, parce que vu comment c'était piégé la dernière fois. En plus, la reine est largement prenable depuis extérieur. Ouais, le CDC gêne pas forcément. Donc là, il va aller chercher la reine avec ses héros. Après, c'est un CDC drague et ça va juste péter les couilles par contre. Ah, il a qu'un poison, hein. Mais je pense qu'il espère que c'est pas un CDC drague, surtout qu'il me semble que tout à il avait un peu de tout, je crois, dans ses CDC alpha. Et le CDC drague baby, il est déjà passé. C'est Poupou qui a attaqué, qui l'a pris. Pourquoi est-ce que... Oh, golem CDC. Ok, c'est pas forcément gênant, mais il faut que la reine ennemie tombe avant. Okay. Il va tomber avant, c'est bon, il va c'est pas bon, mettre sa capa bon. Dessus, c'est parfait, la reine qui tombe. Là, pour l'instant, il est extrêmement bien. Ouais. Est-ce que le canon prend la reine? Non, le canon prend pas la reine, du coup la reine peut faire tomber le golem tranquille et ensuite aller chercher l'HDV, donc ça c'est cool pour lui, c'est vraiment bon. Là ouais, là franchement, sa P1 est magique, hein. Vraiment sa P1 est magique. Ouais, il peut même espérer prendre une entière avec sa reine. Avec un peu de chance, là, après l'HDV, elle va chercher l'entière. J'ai l'impression que c'est ce qu'il attend. TH, entière, canon, ouais c'est possible. Ouais, j'ai l'impression qu'il attend que la reine aille chercher les deux, même carrément, on peut même avoir les deux entières avec la capa. Hein. Je pense que c'est ce qu'il veut qu'elle fasse, ouais. Oh là là, est-ce qu'il arrive à avoir tout ça, mais un perf, hein. Alors là... Le time par contre. Ouais, le time c'est chaud, mais le Lalo c'est rapide, hein. Regarde en plus, il a beaucoup de speed. La capa qui va aller chercher le gun, oh là là. Et puis oh, il va l'avoir, oh, il va le faire, hein. il va le faire. Allez vas-y, 1 minute 30 par contre gros, faut y aller. Est-ce que Terre Agricole va entériner cette victoire parce que
Là, s'il perf, c'est terminé, hein. Ok, sort de Du coup, à part. speed, peut-être un peu trop sur le côté, mais ça va le faire. Parfait, sort de gel sur tour de sorcier, Arc-X. OP, allez, il freeze Oh, propu le tour de gel sorcier middle est mid. magique. Le gel middle est Voilà, le parfait. speed. Allez, ça va aller chercher l'anti-air. Oh, il va l'avoir le perf, hein. Il va aller chercher le Ah, perf. il va aller chercher le perf. 1 minute 3. Je te l'ai dit, l'allot, Oh c'est là là. rapide, hein. Avec tous les speeds qu'il avait. Il va l'avoir le perf, hein. Oh, Alpha qui est tellement dans la merde. Non, en fait, il a perdu Alpha. Alpha a perdu en fait. Parce que là, à partir du moment où il perf, côté terre agricole, bah, Alpha ne va pas revenir. Puisqu'avec son 66%, bah, en fait, il est baisé tout seul. RIP. Ah, dur le 66, hein. Ça le Salut tue à Johnny. mort. Ah, le 66% qui le dégomme. Et en tout cas, on est ici sur un putain de suilalo des enfers. C'est magique. Cette attaque est magique. Il va falloir la mettre sur YouTube. Elle est trop belle. Perf nos CC, hein. Je rappelle, hein. Ouais, perf no CC en finale. Aïe 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 aïe. Il a bien entendu quand même, il a pris le tank pour que sa reine revienne et chercher les deux entières et il a bourriné le lalo. Il prenait pas les deux J'ai peur entières, parce il passait pas. Hein. on va tenter d'aller chercher un perf quand même pour finir en beauté. Ce serait bien quand même qu'il mette un perf, ce serait vraiment beau, t'sais, en mode de... Tu vois que le mec il déméritait pas quoi. Ouais, ce serait dommage quand même qu'il perde sur un 7-6 juste des billes. Alors que le mec c'est un minimum attaqué quoi. Ce serait Bah triste un ouais, petit peu. mais bon, c'est un peu le Ah, c'est le principe, jeu, hein. hein. C'est le jeu, c'est le jeu, hein. Mais du coup, il recommence avec son avalanche. En vrai, je crois que c'est celui qui m'a le plus impressionné avec son avalanche, là, avec tous ses sapeurs. Ouais, mais son avalanche full sapeur, tu te souviens sur la base en. Ouais, la base bizarre, là, mais OP, Ouais. c'est strat, hein. Le truc qu'il nous avait fait là, putain, on était en mode, oh là, ça va être dur et tout. Le mec nous a claqué un perf en 1 minute 50, là. En mode, gros, ça va? Aïe, 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 aïe. Le roi, par contre, qui a arrêté de taper le mid pour aller chercher le roi adverse, du Oh coup, là maintenant, là, il mais a perdu regarde, le sa. roi il fait des tours et des détours, il est perdu. Et du coup, il a perdu sa capacité sans taper le roi adverse. Ouais, elle a servi à rien, c'est trop triste quand ça arrive ce genre de truc. Quand on parlait de l'IA des héros tout à l'heure. Ah ouais, non mais elle est terrible, hein. Elle est vraiment terrible. En tout cas, le roi défensif qui se fait dépop par le roi offensif grâce au barbare également accompagné par le roi, mais malheureusement, il y avait la tour d'archer qui donnait un petit coup de main. Ouais, ça va, c'est les golems. Oh, c'est le golem en pétant qui a tué le roi. Par contre, on n'ira pas sur un perf. Hein. Ah non, il reste deux skulls, mais la reine s'est fait aggro par la tour d'archer. Quoi? Il les a mis dans les coins, du coup. Ah, il sait que c'est mort, hein, il a quitté.